Les étoiles, tu vois, les gens qui vont choisir, non, moi j'ai peur de sortir de ma famille. Je vais aller me cacher. Non. Quand tu es une étoile, partout tu vas, on te voit. Amen. Quand tu es une étoile, il dit ouais, les étoiles qui t'avaient vivent à l'Orient marchaient devant eux jusqu'à ce qu'il arrive au-dessus. Amen. Écoutez, enfin, je veux que ce soit toi prier pour ta vie. Si vous disiez bien, les mages sont les magiciens. C'est mes saints qui ont vu l'étoile, qui sont allés dire à Hérode, voici, on a vu un enfant qui est né. Mais sous son étoile, il y avait un symbole qui montrait que l'enfant était comme l'enfant était un roi. Ce n'est pas l'âge qui était problème, mais c'était le futur qui posait un problème. Amen. Ce n'est pas l'âge qui avait problème, non. C'était son futur qui posait un problème. Écoutez, tous ceux qui sont grands, ils sont combattus. Depuis leur enfance. Pourquoi tu as des combats? C'est pas à cause de ton âge. Parce qu'un bébé, comment un bébé peut créer la panique sous tout? C'est parce que son étoile montrait que c'est un futur roi. Montrait que c'est un grand homme, c'est une grande dame. Maintenant, comment faire pour l'empêcher? Il faut qu'on l'empêche. Pendant qu'il est encore bébé, on doit l'empêcher pour ne pas qu'il arrive. Beaucoup ignorent l'enfer. C'est parce qu'ils ont péché. C'est parce qu'ils n'ont pas accompli leur mission sur la terre. Beaucoup de combats que tu vois sur ta vie, ce n'est pas parce qu'un autre. Tu dis non, moi je n'ai d'autre. Tu ne dis que tu es derrière. C'est parce que les gens voient qui tu es. C'est pour ça qu'ils t'attaquent. Ils s'en foutent de ton corps physique. Mais ce qui les regarde, ton futur. Écoutez, le monde spirituel, là, c'est pas le monde de, les gens, c'est le monde où les gens voient le futur, ils voient pas le présent. Amen. Il dit, l'étoile marchait devant eux. C'est quoi? Ils ont suivi l'étoile jusqu'à là où était le petit enfant. L'étoile était comme une référence, comme boussole, qui montrait que ah, cette étoile appartient à telle personne. On doit aller jusqu'à là pour l'attraper. Regardez, les rois mages, quand ils sont arrivés devant l'enfant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prosterné. Les magiciens, ils ont dit que nous, lui là, il est plus fort que notre magie. C'est monsieur, le bébé qui vient de naître là, il n'est pas n'importe qui. Et on doit se poser et l'adorer. Amen. Ce sont les signes. Ce sont les futurs. Vous qui aimez, oh non. Non, je suis attaqué, mais tu es attaqué pourquoi? Parce que tu es une étoile. Parce qu'on sait qui tu es. On ne peut jamais attaquer n'importe qui. On attaque lui qui est. On attaque ton futur et notre présent. C'est pour cela, regarde. Un grand-père, depuis les 50 ans, il se bat à cause d'un bébé qui n'a même pas un mois. Pose la question. C'était nous derrière ça. Il a encore un bébé. Ça fait rien. Mais lui, ce petit là, il va me laisser mon rôle. Il faut qu'il meure. Tant que les bébés. Qu'est-ce qu'il y a?
ils n'ont pas, ils n'ont vu quoi? Ils n'ont pas l'étoile. Ils n'ont pas vu. C'est l'étoile qui montrait que lui là c'est un roi, c'est un temps, c'est un temps. C'est pour cela. Matthieu 11, 12. Fais vite. Voyez un peu à 10. Car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Ouais. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas parmi le plus grand que Jean-Baptiste. Yes. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Attends. Regardez bien. Il dit quoi? Le plus quoi? Le plus petit dans le royaume des cieux. Le plus quoi? Le plus petit. Dans le il est plus grand que lui. T'as vu quoi? Un enfant. Lui là. Si il assiste spirituellement, il est plus grand que Sébastien. Ouais. Et on dit qu'il est plus petit dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est pas. Ce n'est pas là où tu habites, c'est le monde des esprits où se trouve ta grâce et ton élévation. On dit il est plus grand que Jean-Baptiste, le plus petit. C'est que Jésus était qui? Il était qui? Il était qui? Le plus grand que Hérode dans le royaume des cieux. L'enfant Jésus. L'enfant Jésus était le plus grand ange. L'enfant Jésus était plus grand que Jean-Baptiste, plus que Hérode. Malgré qu'il était encore bébé, il ne pouvait pas dire maman, ni papa. Mais ça montrait que malgré qu'il vient de naître, mais il est dangereux que moi qui suis roi. C'est pour ça que les rois mages, quand ils ont vu, ils se sont procédés, ah, celui-là, il est plus grand que notre magie. Amen. Qui sont les mages? Qui pose une question? Qui peut me répondre? Pasteur Béni. Non, d'où vient l'origine? Hein? Non, d'où vient l'origine? Hein? Mais tu m'oublies. D'où viennent les mages? Lady, we go to Carmel and les mages. The origin of magicians. Les mages. Those les mages. Regarde, les mages c'est qui? Ce sont les enfants d'Abraham qu'il a eu avec Ketura. La Bible dit, il a donné aux enfants de cette tribu la sagesse, mais il a donné à Isaac l'héritage. Ça veut dire quoi? Les mages, ce sont les. Quand vous lisez Genèse 25, on dit quoi? Abraham a eu une femme, c'est vrai que Ketura, ils ont eu combien d'enfants? Ils ont eu les mandiens, les malèques. Les mages appartiennent à cette race-là. C'est pour cela, ils avaient ce qu'on appelle quoi? Ils avaient quoi? Ce qu'on appelle quoi? Non. Ils avaient quoi? L'intelligence des livres. C'est-à-dire, ils ont consulté les écritures. Ils ont vu qu'il y a un homme, il était écrit dans Isaïe qu'un fils devait être un roi. C'est Nathan, ils ont vu ça. Ils ont dit, ils ont consulté. Ils ont dit, cette étoile là. C'est pas normal. On doit voir. Dans telle période, voilà ce qui a été écrit. Mais lorsqu'ils ont vu ça, ils étaient remplis de joie. Mais il y avait un vieux père qui
qu'il était content. Ils ont vu. Dieu dit qu'il va te bénir cette année. L'année est arrivée. Mais il y a un homme ou bien une femme qui se croit qui est devant mort. Tu vas prier ce soir. Tout érode. Tombe ce soir. Écoutez. Remarquez bien. Attendez-moi, remarquez bien. Vous allez voir, les chrétiens aiment tout ce qui est gratuit. N'est-ce pas? Ils aiment qu'on ait budget de. Mais regardez, à cause d'un enfant, un monsieur, il a tué toute une ville. Tous les bébés qui sont nés, même jour là, ils sont morts. Il vit comme Bethléem. Vous savez, ils étaient combien? Comme si on va tuer tous les bébés qui sont à Abidjan. Il y a combien d'enfants qui viennent par jour? Ça dépasse même 10 000, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Mais il est prêt, à cause de son pouvoir, à tuer tous les bébés. Mais nous, souvent, on aime se faire pitié. Non, écoute-moi, le monde spirituel, le mot pitié n'existe pas. C'est un monde où ton père peut te tuer, ta mère peut te donner un sacrifice, même ton propre enfant, il peut te sacrifier pour être roi la nuit, même s'il ne mange pas. C'est un monde où le mot pitié n'existe pas. Où lorsque on te prend, écoute-moi, le diable, avec lui, il n'y a pas de match amical, il n'y a pas d'entraînement. Quand il te prend, il te tue. Il ne joue pas avec ça. Écoutez, à cause du trône, quelqu'un peut tuer toute une ville. À cause du trône, il est prêt à tuer tout le monde pour rester roi. Et toi, tu as pitié. Et tu fais pitié. Écoutez, dès que tu feras pitié, oui, oh non, il fait pitié. C'est 50 000. Oui, tu vas faire pitié. Mais ils n'ont pas pitié de toi. Ils n'ont pas pitié. Écoutez, c'est le seul monde où le fils tue son père, l'enfant tue sa mère. C'est le seul monde où il n'y a pas à faire. Écoute-moi, même dans les loges, entre eux, il y a la guerre. Vous savez, pour construire le pouvoir, même le président peut tuer ses propres proches. Même ses propres enfants. On ne joue pas au trône. Il n'y a pas fait de négociation. Le trône, c'est quoi sur ta vie? Ton étoile. Ta destinée. Où il y a quelqu'un qui veut prendre sa place et qui ne veut pas que ta vie change. Toi, tu dois la nuit, tu rentres. Oh. Où est ta fiche? Ça va rien faire. Il va se convertir. Amen. Lève-toi, on va prier.